Hello les gourmands, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. À l'approche de Noël, je vous propose une petite vidéo spéciale sur cette thématique. Nous allons apprendre à réaliser trois chocolats incontournables des fêtes de fin d'année. Tout d'abord les truffes, ensuite les mendiants et pour terminer les orangettes. Vous allez voir, ce sont des recettes extrêmement faciles et rapides à réaliser et qui, je suis certaine, plairont à tous les gourmands qui vous entourent. Je vous propose de les découvrir sans plus attendre. Pour cette recette, il vous faudra 250 g de chocolat noir, 10 cl de crème fraîche épaisse, 20 g de beurre et un peu de cacao amer en poudre. Placez le chocolat concassé dans un récipient afin de le faire fondre au bain-marie. Lorsque le chocolat est bien fondu et bien lisse, retirez le bain-marie du feu. Placez la crème fraîche dans une casserole et faites-la chauffer à feu doux. Mélangez la crème fraîche et le chocolat fondu. Ajoutez le beurre coupé en morceaux et mélangez bien le tout. Filmez votre saladier et placez la ganache pendant 4 heures au réfrigérateur. Après ce temps de repos, sortez la ganache du réfrigérateur. Versez le cacao en poudre dans une assiette. Avec une cuillère, prélevez une petite portion de ganache. Façonnez-la légèrement du bout des doigts et roulez-la dans le cacao amer. Déposez dans une assiette puis renouvelez l'opération. Vous pouvez déguster les truffes immédiatement ou les conserver pendant une semaine. Pour cette recette, il vous faudra 200 g de chocolat noir, des pistaches, des noisettes décortiquées, des raisins secs et des écorces d'orange confites. Faites fondre le chocolat concassé au bain-marie pendant quelques minutes.
Sur une feuille de papier guitare ou une feuille de cuisson, formez des petits palets avec le chocolat fondu. Disposez des fruits secs à votre convenance sur chacun des disques de chocolat. Placez les mendiants au frais pendant une heure. Décollez-les délicatement du papier et dégustez sans attendre. Pour cette recette, il vous faudra 200 g de chocolat noir et des écorces d'orange confites. Faites fondre le chocolat concassé au bain-marie pendant quelques minutes. Trempez les écorces d'orange dans le chocolat fondu, puis disposez-les sur une plaque recouverte de papier guitare ou de papier de cuisson. Placez les orangettes au frais pendant une heure. Il ne vous reste plus qu'à vous régaler. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous permettra de vous régaler. N'hésitez pas à partager toutes vos idées de recettes pour les fêtes de fin d'année en commentaire sous cette vidéo. Et avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne car de nouvelles recettes de Noël arrivent très prochainement. Je vous dis à très vite et d'ici là, passez une excellente journée.